c'est suffisant pour les proportions. Et puis là, aujourd'hui, je vais vous faire voir sur un coq. Je vais faire un coq parce que je suppose que vous jouez au football. Hein, le coq, le ciseau humilié. Enfin, la couturière, un coq pareil. Mais ça s'appelle un ciseau quand même. Hein, vous en avez déjà vu. Hein. Alors, tout ça, c'est des gouges. Bon, il y en a différentes formes. Là, il y a une gouge coudée. Celle-là, c'est une gouge contre-coudée. On viendra sur la crête pour donner les formes complètes. Là, je suis un peu bas, c'est pas ma hauteur normalement. Ah, c'est pas les poils, mais enfin. Il y a des gens.
approchez-vous de la table. Oui. Et Christelle va vous expliquer. Elle ne bouge pas. La démarche qu'elle fait pour. Allez, Chahine, viens écouter. Ah non, c'est possible. J'ai pas le droit. Mais à gauche, ensuite, je viens faire, comme vous, du coloriage. Sur la première couche, je viens mettre les couleurs. Oh, ça va bien. Avec des pinceaux. Très, très fin, comme ça. Très, très, très fin, très, très petit. Et là, je viens dessiner toutes mes plumes. Ou sur mes grands animaux, leurs poils. Voilà, après, j'ai répliqué au bloc et les symboles, des très usés de bronze. Ça gêne pas, parce qu'on est pratique pour faire des grands arbres, vu qu'il s'est durci avec le temps, il s'éponge. Il a un peu connu. J'ai déjà fait ça. Parce qu'on en avait beaucoup à la maison quand on était petit. Mais oui, j'ai commencé petit. On commence à creuser. Hein, yes. Hein, la première étape. Après, quand ça avance un peu plus, vous voyez, il y a le coude qui est bouché. Hein, le coude. Hein, là, vous voyez, là, ça fait le bras, il tient la carte. Hein, voilà. Et puis là, ben, je vous ai préparé un petit coq, l'emblème de l'équipe de France, le coq, hein, les footballeurs, c'est beaucoup. Hein, et ben, je viendrai à l'école du Grand Clos. Ça vous convient ? Ah bah, merci beaucoup. Hein, merci. Voilà. Alors, tout ça, c'est des outils pour pouvoir permettre de faire les sculptures. Ce sont des bouches, hein, des bouches, pas des ciseaux. Les ciseaux, c'est ça. Ça, c'est le ciseau du menuisier. C'est pas le ciseau de la couturière, bien entendu. Hein. Vous savez ce que c'est que le ciseau de la couturière, hein. Bon, ça fait rien. On va continuer sur les autres. On finirait ça tranquille à la maison. Vous voyez, on coupe tout doucement, regardez tout doucement, faire partir des petits copeaux. Hein, ça ne sera pas de la colorier avec toutes les couleurs sur le coq. Voilà, la crème est rouge, t'as le mec qui est blanc et gris, t'as le climat de l'histoire de couleur. Je commence étape 1, le dessin. J'ai dessiné mon petit oiseau et pour le coup, j'ai dû dessiner 4 fois pour vous montrer les étapes. Voilà, c'est un petit oiseau, ça s'appelle un chardonneret. C'est un petit oiseau qui vit dans un buisson de chardon épineux. Et se nourrit des fruits de ce buisson. Le deuxième étape, je viens passer à la peinture mes traits dessins. C'est pour pas les perdre. C'est pour éviter, si je fais mon fond, parce que ça arrive, au début, le fond, c'est la première couche, j'y ai débordé un peu, mais c'est parce que, voilà, c'est sur le coup, j'utilise toujours des gros pinceaux pour faire les fonds comme ça. Alors, soit j'ai les très gros, pour les grandes toiles, pour venir, une fois que mon fond est sec et ma peinture, je viens mettre la couleur. Et c'est comme vous quand vous faites du coloriage. C'est la même chose, je viens sélectionner mes couleurs et je commence à mettre quelques ombres, quelques zones de lumière pour avoir mes repères. Vous voyez ? Mais ça, c'est pas fini, c'est que la première couche de peinture. Parce qu'après, je vais revenir. Et en général, pour cette étape-là, j'aime bien utiliser des petits carrés, des petites langues de chat. Mais je commence à avoir des pinceaux de plus en plus petits. C'est pénible, hein. Et
pour les dernières étapes, là, je prends des pinceaux très serrés. Comme ça. Bon, oui, dans celui-là, il reste beaucoup de poils, mais ça aide encore. Mais heureusement, le chat en a encore des poils, donc... Mais j'ai encore des poils. Et là, je viens mettre tous mes détails. Donc là, c'est fini. C'est-à-dire que j'ai toutes mes petites plumes. Pour regarder. Et du coup, il y en a certains, je me dis, Cric va rendre tel rendu. Lui, sera beaucoup plus long. Mais c'est pareil, je sais à peu près dans quel rendu ça va donner. Donc j'écoute le cœur.